Tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'actu, pas forcément beaucoup de l'actu du jour parce qu'il s'est pas passé grand chose, mais on va revenir sur le classement UCI, on va revenir sur la flèche Brabanson, mais également sur ce qui s'est passé en Sicile hier. Et puis, comme d'habitude, je prendrai les réponses à vos différentes questions. Enfin, bref, un calendrier un petit peu moins chargé qu'hier quand même. Mais je voudrais qu'on revienne sur le classement UCI parce que c'est important de le faire toutes les semaines pour faire justement un petit point sur ce qui se passe et les différentes évolutions. Et je pense qu'on va commencer par ça. Alors, comme d'hab, je commence par vous saluer tout d'abord. Salut à Toff, salut à Delgato. D'ailleurs, Delgato qui nous dit qu'il va mettre en ligne plutôt la présentation du Tour des Alpes sur le forum. Il vous mettra aussi le lien sur le Discord. Donc, n'hésitez pas à aller la parcourir. J'imagine que comme d'hab, ça vaudra le détour. Salut Stantry, salut Greg, salut Matt, salut Géchai Angel. Bienvenue à Momo, merci pour le follow. Salut à Eric, ouais, ça faisait longtemps, ça fait plaisir de te revoir. Salut à Gosloli et salut à Yves également. Donc comme je l'ai dit, on va commencer par le classement UCI parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire hier comme l'émission était un petit peu longue et qu'on a dévié sur pas mal de sujets qui étaient aussi intéressant. Donc le classement UCI, tout d'abord, ce qui nous intéresse, ça va être la tête. Juste vous signaler que la Jumbo-Visma a repris le leadership par rapport à UAE Team Emirates. Vous voyez qu'il y a une inversion au niveau des positions. Il y a également un énorme écart avec la suite. Hein, Soudal Quickstep est troisième. Ensuite, on a Ineos. Mais vous voyez quand même, les gars, que entre les deux grosses armadas du peloton, Jumbo et UAE et un peu le reste du monde, il y a quand même un très très gros écart et un peloton qui se tient en pas tant de points que ça. Il y a 3200 points d'écart entre UAE qui est deuxième et Soudal qui est troisième. Donc on s'oriente de plus en plus vers ces deux superstructures au budget quasiment illimité qui dominent un petit peu tout pour des raisons diverses et variées. Au sein du top 10, pas grand chose d'autre à dire, si ce n'est que la Bahreïn gagne 3 places. Intermarché en perd 2, l'Auto Destiny en perd 3, mais vous le voyez là entre l'Auto Destiny justement qui a 4016 points et la Trek Segafredo qui est 5e, il n'y a finalement qu'environ 500 points d'écart, donc c'est pas énorme, mais je pense que ça va continuer à se bagarrer pour ses places entre 5 et 10 entre ces différentes formations. Et puis plus loin, on retrouve d'autres équipes qui déçoivent un petit peu, notamment Labora. Labora, on avait l'habitude d'avoir affaire à une super structure, enfin pas au niveau de UAE et de Jumbo, mais quand même quelque chose de très costaud avec un très gros effectif sur le papier. Mais Labora est décevante parce que finalement elle n'a que 3300 points depuis le début de l'année. Donc c'est très peu pour une formation de cette ampleur ou de cette force hein, qu'on attend plus aux alentours du top 5 qu'en fin de classement du World Tour, en deuxième partie du classement World Tour en tout cas. Derrière Bora, on a la Cofidis qui s'offre un bon petit bol d'air, parce que la Cofidis, et on l'a déjà dit, elle a quand même un niveau sur le papier qui, je trouve, est supérieur à ses poursuivantes, et à confirme en réalisant une belle petite campagne de classique flandrienne, un bon tour du Pays Basque également. Donc Cofidis 14e, et qui semble cette année, en tout cas, parce qu'il faudra voir les années suivantes, au-dessus du niveau qu'il faudra avoir pour éviter de figurer dans la zone rouge. Derrière, c'est pareil, ça ne bouge pas trop. On a Israël qui se maintient en 15e position, qui semble quand même un petit peu au-dessus des autres concurrentes. Alors, ce n'est pas fait parce que ça peut encore changer énormément. Là, vous le voyez, G2R est 16e avec 2364 points. Mais Dorian Godon a remporté la flèche Brabanson. Ça fait 200 points dans la besace. Donc, ça les remet quasiment à égalité avec Israël. Et encore un petit peu plus loin, on a Jaiko Elula qui repasse en dehors de la zone de relégation parce qu'il faut être dans les 18 premiers pour se maintenir.
Donc Jayco gagne de place au détriment de DSM et d'Arkea. DSM reste 18e. DSM, en plus, il y a les points de Paris-Roubaix qui n'ont pas été comptabilisés dans le dernier classement. Donc elle va encore gagner un petit peu de place. Et Arkea, on l'a dit depuis le début de l'année, on sent que ça va être compliqué cette année, en tout cas, cette saison. Parce qu'il n'y a plus Quintana, parce que Nasser Bouhanni est blessé, parce qu'il y a d'autres coureurs qui ne sont pas forcément au niveau qui était le leur la saison dernière. Il y a aussi beaucoup de jeunes talents, et ces jeunes talents, il faut le temps qu'ils arrivent à maturité. Hein. Je pense à Mathis Lebert, à Ewan Kostiou, mais aussi dans une moindre mesure Kevin Vauclin, qui même s'il fait un très bon début de saison, doit forcément franchir les différents paliers, les différentes étapes pour être capable de marquer des gros points en World Tour. Pareil pour Mathis Louvel et pour d'autres. Donc voilà, on est face à une formation, pardon, qui est en pleine mutation. Et cette année peut être compliquée sur le plan comptable, hein, tout simplement, parce que on n'a peut-être pas la profondeur d'effectif et Quintana n'a pas été remplacé. En tout cas, on n'a pas trouvé un leader qu'a le niveau de Nairo Quintana ou qu'avait le niveau de Nairo Quintana. Derrière, encore un peu plus loin, on a TotalEnergies qui figure quand même à environ 700 points de la relégation. Ça devient dur pour TotalEnergies, même s'il y a cette victoire de Valentin Ferron qui a fait du bien, j'imagine, surtout moralement à l'équipe, parce que vous le savez maintenant avec le nouveau barème, une victoire en points, c'est 125 points, mais c'est finalement très peu par rapport à ce qui est distribué en World Tour. Donc même si cette victoire fait du bien, notamment sur le plan sportif, parce que c'est le premier succès en Europe de la saison, c'est pas forcément archi rémunérateur, surtout comparé aux années précédentes. Et quand on regarde au niveau du classement des pro teams, donc Israël qui est en pro team également, et Lotto Destiny est largement au-dessus, mais il y a quand même là, si vous regardez bien, Israël est à 2006 et Total Energy à 1005, donc il y a quand même 1100 points d'écart entre Total et Israël, donc ça paraît très compliqué de les rattraper. Et je pense que Total doit recommencer à regarder derrière, parce que derrière, même si Bardiani a quand même un effectif plus faible, la UnoX commence à remonter en gamme, n'est pas si loin, pardon. Et la Bolton enchaîne les points, parfois sur des épreuves un peu moins difficiles. Donc ça va être compliqué. Pardon, décidément, j'ai avalé de travers. Ça va peut-être être compliqué d'aller faire mieux que la troisième place. Et surtout, il faudra faire attention à ne pas se faire devancer par celles qui sont derrière. Et pour finir sur ce classement, on a Astana qui est toujours très très loin. Elle gagne deux places, mais 691 points. C'est-à-dire que si on se base sur Total, sur Arkea, pardon, qui est la dernière équipe concernés en tout cas ou relégables, même on va prendre DSM parce que c'est plus juste que c'est la zone de relégation, il y a quand même 700, il y a plus de ouais, 1750 points d'écart avec la relégation, donc ça va être très très dur cette année pour Astana, et il va falloir aller chercher les points, et ça va être je pense très très compliqué pour eux, d'autant plus qu'on a, j'ai pas l'impression qu'on prenne la mesure des enjeux, qu'on fait beaucoup d'erreurs en termes de calendrier et de programme de course, et qu'on n'a clairement pas l'effectif, et qu'en plus la confiance doit être au plus bas. Un des autres enjeux, les gars, et ça on en a déjà parlé aussi, puis après je vais aller sur vos commentaires, c'est ce fameux top 50, que je vous le rappelle pour ceux qui ne sont pas familiers de nos émissions. L'an prochain, pour être invité sur les trois grands tours, donc le Giro, la Vuelta ou le Tour de France, il faudra finir la saison 2023 dans le top 50 du classement UCI. Quand on est une pro team, bien entendu. Parce que les Conti n'ont pas le droit de participer à un grand tour. Mais le problème pour les pro teams, c'est que les Conti sont comptés dans ce classement-là. Et vous le savez, il y a des épreuves en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, etc., etc., qui peuvent rapporter pas mal de points, des championnats continentaux, des championnats nationaux, ce qui fait que ces Conti, parfois, ont des totaux assez élevés. Et puis là, si je vais sur le classement, la première Conti, tac, 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 c'est Aras Kip Capital. Je pense que vous ne la connaissez pas du tout. Mais c'est une équipe qui a marqué énormément de points sur ses championnats nationaux, qui a scoré sur les championnats d'Océanie, et qui se retrouve avec 638 points et à la 28e place du classement. L'équipe thaïlandaise, c'est pareil. Elle a marqué sur le Tour de Thaïlande. Medellin, ils ont scoré sur la Vuelta San Juan grâce à Lopez. Rouraï, ça a scoré en Asie. Il y a les équipes de développement aussi qui ont beaucoup de points, parce que vous le savez, on peut faire monter les coureurs en équipe première jusqu'en Pro Series, mais les points qui sont marqués, ils sont pour l'équipe de développement. Donc forcément, ça marche pas trop mal. Et pour Jumbo, on voit que par exemple, Peragones a déjà plus de 100 points. Et c'est pareil pour Team Engrat. Donc c'est des équipes qui vont se mêler à la lutte pour le top 50. Et ça rend la tâche très compliquée pour les pro teams. Alors, pour la plupart, c'est bon. Les formations espagnoles, on a l'air d'être plus ou moins sauvés, parce que vous le voyez, la moins bien placée, c'est Cara Rural, qui est 42e. Donc, on a encore le temps de voir venir. Il va falloir faire attention, parce que finalement, le top 50, il est qu'à 200 et il est qu'à 135 points, pour être exact. Donc, il ne faudra pas traîner en route.
Mais pour l'instant, on est plutôt serein du côté de la Carrara Rurale. Mais derrière, il y a des équipes qui sont plus en difficulté. Human Power Elf, on n'en parle pas parce que de toute façon, ils ne postulent pas vraiment pour un grand tour. Donc, ils ne sont pas forcément concernés par ces invitations. Du moins, ça ne les impactera pas trop s'ils ne sont pas dans le top 50. Mais par contre, il y a deux équipes qui seront, elles, impactées parce qu'elles sont invitées sur des grands tours, sur un grand tour cette année, c'est-à-dire le Giro. Et Eolo Cometa, tout d'ailleurs. La bonne nouvelle, c'est que ça ne marche pas trop mal en Sicile en ce moment. Mais Eolo Cometa est 56e seulement, elle perd 6 places cette semaine avec 170 points. Et elle a 41 points de retard sur la formation Léopard. Donc il ne va pas falloir traîner en route parce que même si le Tour de Sicile ne se passe pas trop mal, ça reste qu'une épreuve de points. Et Léopard est inscrit sur des courses cette semaine. Donc ça peut être compliqué. C'est pas perdu pour Eolo parce que voilà, on navigue un peu depuis le début de l'année aux alentours de la 50e place. Mais celle qui est vraiment en difficulté, et on va y aller, elle n'est même pas sur cette deuxième page, c'est l'équipe Team Coratec qui est invitée sur le Tour d'Italie. Et vous le voyez, même si elle gagne 8 places, la Team Coratec, elle n'est que 94e. Et elle est très très loin de la zone de cible pour être dans le top 50, parce qu'elle a seulement 69 points. C'est que là, 69 points, ça veut dire que leur meilleure performance, vous le voyez, hein, c'est des gars qui ont 8 points, 6 points, 5 points, 3 points. Leur meilleur scoreur, il a 31 points seulement. Et 31 points, ça représente eh ben, une 12e place sur la Vuelta San Juan. Donc c'est quand même un peu la misère. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait mieux qu'une 12e place sur la Vuelta San Juan du côté de la team Coratec et qu'on a vraiment très 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 peu de points. Et eux, c'est absolument impossible, à moins d'un recrutement de dernière minute, qu'ils arrivent dans ce fameux top 50, que de toute façon, ils n'ont pas l'effectif pour, qu'ils vont aller s'épuiser sur le Giro sans marquer trop de points. Et que ça va être très compliqué, donc tant mieux pour eux s'ils sont invités cette année, mais clairement sur le plan sportif, ils n'ont pas le niveau pour être sur un grand tour, et l'année prochaine, normalement, ils ne seront plus là, parce qu'en plus, même si vous recrutez, c'est les points de l'équipe de la saison 2023, donc si vous prenez, ne serait-ce pas par exemple Julien Alaphilippe, hein, c'est pas possible, donc je dis une connerie, mais vous n'aurez pas les points de Julien Alaphilippe parce que vous le recrutez, donc ce top 50, il doit être obtenu sur le terrain d'ici le 15 octobre, parce que je crois que c'est le 15 octobre à peu près là. La date liée de la fin de la saison 2023. Donc très compliqué pour le team Coratec. Et voilà ce que je pouvais un petit peu dire sur le classement UCI. Je vais aller maintenant sur vos commentaires en relançant la page de VCN. Tac, je remonte un petit peu. Salut à Stéréo qui nous rejoint. Il ne manque pas des points à Cofidis. Il doit manquer les points de Paris-Roubaix, Tof. Je crois que c'est JCB qui a dit ça sur le forum et ils n'ont pas compté le Paris-Roubaix, l'UCI cette semaine. Après, c'est pas très grave parce que ça ne change pas qu'on puisse faire un point de situation, mais la semaine prochaine, comme c'est mis à jour tous les mardis, on aura donc une petite évolution avec notamment les points de Paris-Roubaix. Et je pense que c'est pour ça que le total de Cofidis n'est finalement pas si élevé par rapport aux perfs qu'ils ont fait, parce que tu l'as dit, ils ont aussi scoré au Pays Basque. Donc normalement, il y a quelques points en plus quand même pour la Cofidis, notamment, et puis pour DSM aussi, hein, je parlais de Degen Kolb. Alors AG2R s'est remis dans le droit chemin, ouais clairement elle va faire du bien hier la victoire de Dorian Godon, d'autant plus que comme je vous l'ai dit les gars, c'est une victoire en Pro Series, donc c'est 200 points dans la poche, et même plus parce que Cosnefroid fait 3, donc ça fait plus de 300 points, je vais aller voir quand même vite fait pour pas dire de bêtises. Alors, le résultat, UCI, tac tac, ça fait 325 points dans la poche pour AG2R, donc c'est quand même un sacré petit pécule, et c'est clairement pas négligeable. Israël, sur le long terme, j'y crois moyen, mais c'est vrai que c'est assez contradictoire, Israël, parce que tu vois, Stéréo, je crois que je disais dans une émission, c'était avec Seb ou avec Cyprien, je sais plus, ou Greg, que Israël, on les voyait pas trop depuis le début de l'année, je sais pas ce que vous en pensez, vous les gars, mais j'ai pas l'impression qu'ils gagnent beaucoup, j'ai pas l'impression qu'ils font des perfs de ouf, mais en fait, ils scorent, j'ai l'impression qu'à chaque course, il y a quand même des points qui sont marqués, il y a un mec qui va faire 6-7e, et un mec qui va faire 3-4e, etc., etc., et finalement, on accumule les points, parce que vous voyez, total, c'est marquant la victoire de Valentin Ferron à Paris-Camembert, mais qui va se souvenir que Van Mark avait fait 3e de Gando-Wevelgem, ou que Michael Woods avait fait 7e ou 6e en Catalogne, mais mine de rien, avec le nouveau barème, comme je l'évoquais, ça rapporte 10 fois plus, donc finalement, c'est ce qui explique qu'Israël soit beaucoup mieux en termes de points que Total Energy, parce qu'ils ont un effectif qui est plus ou moins taillé pour le World Tour, ils vont faire des places d'honneur qu'on repère pas trop, mais ça ramène des points, et du coup, c'est une bonne nouvelle pour eux, parce que là, même si on regarde, je sais pas s'ils étaient là, non, ils n'y étaient pas, Total Energy, à la flèche Brabanson. Donc ouais, non, là, c'est pas un bon exemple, parce qu'ils rapportent que 8 points sur la flèche Brabanson. Je vais aller voir peut-être sur Paris-Roubaix.
Un dernier résultat. Où est-ce qu'ils les ont mis, les gars? C'est ici, pareil, Roubaix, peut-être le résultat. Si ça se trouve, c'est pas bon non plus. Hein. Bon, ça va pas du tout étayer mon point de vue. Mais ouais, là, vous voyez, par exemple, Vandemark 16e, ça fait 50. Van Asbroek 30, ça fait pas moins de 95 points. Et 95 points, bah, c'est l'équivalent d'une deuxième place quasiment sur un pari Camembert. Donc, du coup, personne n'en parle, personne n'a vu Vandemark 16e, personne n'a vu Van Asbroek. Mais on récupère des points comme ça et on sort d'un Paris-Roubaix avec 85 points, ce qui n'est pas du tout négligeable. Et petit à petit, bah, ça fait des points pour Israël, premier tech. Et c'est un peu trompeur parce que, comme toi, Stéro, tu vois, je me disais, bah, on ne les voit pas trop, l'effectif est vieillissant, Fuglsang a des soucis. Je crois que Dylan Teuns a des soucis sur le plan personnel. Mais malgré tout ça, bah, ça marche pas trop mal. Yef, ouais, Yef, je suis d'accord avec toi, Yves. Je lis ton commentaire, effectivement, Yef, ça marche super bien. L'année dernière, ils n'étaient pas trop intéressés par la lutte pour le maintien, et quand ils ont mis un coup de collier, ça a marché fort. Et là, clairement, on a vu cette année qu'ils ne seraient pas du tout concernés, au moins pour cette saison. Et de toute façon, les points qui seront pris cette année seront énormes, et ça devrait de toute façon les aider pour 2024 et 2025. Très bonne réflexion, Stéréo, ouais, pour Arkéa, effectivement. Le gros problème d'Arkéa et d'autres, non, moins d'Alpecin, parce que ce n'est pas forcément le cas pour eux, mais surtout d'Arkéa, c'est que contrairement à l'an passé, ils ne peuvent plus avoir un World Tour à la carte. Ils sont obligés d'aller aux Pays Basques, ils sont obligés d'aller en Catalogne, ils sont obligés d'aller au Down Under, etc., etc., etc. Évidemment, c'est des courses où tu scores très peu, où tu fatigues tes effectifs parce qu'il y a des déplacements et ça dure une semaine. Et comme on n'a pas la densité, bah, c'est des mecs qui derrière sont moins frais pour aller scorer sur les Coupes de France, et on marche moins bien sur justement ces épreuves françaises parce que bah, l'essentiel de ses forces est occupé ailleurs, et ailleurs, bah, il ramène très, très peu de points. On va aller sur Paris-Roubaix, si ça se trouve, je me gourre encore, mais je crois pas qu'ils aient fait trop de résultats. Arkéa, c'est Team Arkéa. Ouais, voilà, on parle d'Arkéa, ça fait 45, ça fait 55 points. Finalement, c'est 40 points de moins que l'équipe Israël, alors que l'effectif n'était pas dégueulasse. Hein. Mozzato, Louvel, Biermann, Sofstetter, Maclay. C'est quand même très correct sur le papier, mais on ressort d'un Paris-Roubaix avec seulement 55 points. Et on a utilisé la plupart de ces cartouches sur les classiques. Donc ça reste en effet problématique du coup, parce qu'on s'épuise, on va faire toutes les courses. Et hier, je ne suis pas sûr qu'ils aient fait la. S'ils ont fait. Mais du coup, hier, on score très peu, parce qu'on doit mettre des mecs qui sont peut-être moins compétitifs. Et on se retrouve à faire seulement 10 points sur la flèche. Sur la flèche Brabanson, ce qui est vraiment pas beaucoup pour l'équipe Arkéa-Samsic. Allez, je continue. Total fait une mauvaise saison, oui, clairement. Pour l'instant, c'est un peu compliqué. Astana, c'est très dur aussi. Lutsenko, c'est très dur. Et le problème, c'est qu'il porte un petit peu tout seul, Lutsenko, tout l'effectif d'Astana. Et je pense pas qu'il en ait les épaules. C'est un très bon coureur, mais un très bon coureur qui a besoin d'être épaulé. Il a une pression de malade, en plus il est kazakh, donc c'est compliqué, et je pense qu'il bah, subit peut-être cette pression un petit peu, Alexei Lutsenko, et que c'est dur pour lui de performer, de supporter tout le poids de l'équipe, hein, un peu comme Brian Cocquart chez Vital Concept au début, avant qu'on recrute Roland, etc. Brian, il avait un peu tout le poids de l'équipe sur les épaules, et c'était assez compliqué de supporter cette pression, et d'accepter qu'on soit un peu le mec sur qui tous les espoirs reposent, quoi. Merci à l'heure pour le follow, bienvenue à toi. Après, ce sont des courses exotiques où il y a moins de concurrence comme en Thaïlande en ce moment. Peu donc sur le long terme, ils baisseront dans le classement. Ouais, mais après, il faut voir, parce que j'imagine que tu parles des formations thaïlandaises, stéréo, mais le truc, c'est que tu vas voir le tour de Taïwan. Non, il est déjà passé, mais tu vas voir le King Kailek. Le King Kailek qui repasse en hors classe, ça veut dire qu'il va filer 200 points au vainqueur. On va retrouver quasiment toutes les courses asiatiques. On aura le tour du Japon, on aura toutes les courses chinoises de fin de saison. Donc mine de rien, ça fait 100 points par-ci. Hainan, je crois que c'est hors classe. Donc, bah, toutes ces équipes-là vont scorer, scorer, scorer. Et bah, ça va être très compliqué pour les formations hein, comme Eolo, Karawal et autres, et Koratek. Parce que vous vous retrouvez, ce qui est un peu dégueulasse, hein, je suis d'accord avec ça, avec face à des formations bah, qui ont un niveau qui n'est pas du tout le même. Parce qu'aller scorer sans faire offense au Tour de Thaïlande, aller scorer sur un Tour de Sicile, c'est quand même plus compliqué. Aller scorer sur un Paris-Camembert, sur un région Pays de la Loire Tour, c'est plus dur que d'aller marquer des points sur des épreuves comme le King Kailek ou autre, et ça c'est très très compliqué. Quand même, Koratek sera maintenu, ouais, parce que de toute façon ils ont signé un accord et c'est terminé, mais c'est un peu, sur le plan sportif, c'est absolument scandaleux, je suis d'accord avec toi, Strantri. Oui, Stéréo, c'est aussi ce que je pense, hein, clairement. J'en parlais hier hein, avec Cyprien, parce qu'on a échangé sur un sujet au téléphone, et
Surtout avec la lumière de ce qu'on a un peu dit hier sur ce qui se passe autour du Tour du Loir-et-Cher et d'autres épreuves, j'ai quand même un très très gros doute justement par rapport au choix qui a été fait, enfin aux motivations en tout cas. Salut Samuel. Salut Samuel, belle victoire de Godon effectivement hier. Salut à Fort Granada. Salut à Jérôme également. Salut à Seb qui nous rejoint. Je continue à descendre. Je zappe volontairement sur la flèche Brabant Sun que je vais y venir, hein, bien entendu, c'est pour ça. Est-ce que l'histoire de Lopez a fait finalement. C'est possible, ouais, c'est possible que l'histoire de Lopez ait joué un rôle. C'est-à-dire, depuis qu'ils ont plus Lopez, c'est terminé. Bah oui, en plus, ils perdent Lopez, c'est vrai que ça, ils ne pouvaient pas le prévoir, mais c'est une grosse perte, parce que c'est un coureur à 1000 points ou 1500 points, Miguel Angel Lopez, donc c'est forcément assez compliqué. Bref, allons sur notre flèche Brabant Suns, parce que je vois que vous m'en parlez. Hier, la course était très sympa à suivre. Il y avait un petit groupe qui s'est vite détaché, c'est ressorti de l'arrière, c'était costaud. La lutte était plutôt intense. On a vu qu'un Ben Healy était très fort. Ben Healy, il court très très mal, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez du sujet. Mais perso, j'ai trouvé qu'il courait de manière assez curieuse. J'avais déjà repéré aux Régions Pays de la Loire Tour qui faisait n'importe quoi. Et là, je n'ai pas trop compris sa manière d'évoluer. C'est assez curieux. J'ai l'impression qu'il en a trop fait, qu'il était carbo sur la fin. Où il n'a pas passé de relais à Dorian Godon. Et Godon a réussi à s'imposer, ce qui est que justice, hein, parce qu'il avait fait tout le taf dans les 2 derniers kilomètres. Donc belle victoire pour AG2R, je n'y reviens pas, parce qu'on a déjà dit que ça faisait du bien à l'équipe de Vincent Lavenu. Cosnefroid fait 3, derrière on retrouve Rémi Cavagna, et c'est Axel Zinglet qui remporte le sprint du peloton devant Alexander Kamp et Arnaud Dely. Arnaud Dely, on sent que c'est compliqué, j'ai posé la question hier à l'Autodestiny, et on m'a répondu que c'était l'heure de la coupure pour Arnaud Dely, donc je pense qu'elle va faire du bien. Même un très grand bien à l'équipe, enfin à Arnaud Dely, qui a vraiment beaucoup couru depuis le début de l'année. Et là, j'imagine qu'on va le revoir peut-être vers la mi-mai, ou peut-être au début du mois de mai, au Grand Prix de Francfort, ou un truc comme ça. Et que là, on va faire une vraie bonne coupure qui va lui faire le plus grand bien au jeune prodige belge, hein, qui a fait vraiment beaucoup de courses, si je vais sur sa fiche. On voit qu'il a quand même énormément couru, parce qu'on a repris en janvier, on a fait Bessèges, on a fait Paris-Nice. On a fait les grosses classiques, on a couru Kurn, on a couru le Nusblad, on a couru Almeria. Donc c'est quand même un programme assez consistant, puis des grosses courses hein, pour un jeune coureur, avec Milan-San Remo, avec Paris-Roubaix, avec Gent-Wevelgem. Donc c'est quand même beaucoup pour Arnaud Dely, et il fait une très belle saison, hein, parce qu'il n'y a pas moins de 3 victoires déjà depuis le début de l'année. Mais on sent que depuis le forfait à Paris-Nice, c'est quand même un petit peu plus dur sur le plan des résultats, je trouve. Kim Heidoux, 10e, quelqu'un en a parlé, ça c'est une belle performance. Et derrière, on retrouve des coureurs qui marquent un petit peu le pas. Hein. Corbin Strong, c'est un peu compliqué alors que le parcours n'était pas trop mal. Vous m'avez parlé de Piccolo sur le chat, c'est vrai que Piccolo, on ne sait pas trop ce qui se passe avec lui, mais il n'a pas le niveau qui était le sien hein, l'an dernier, donc c'est assez curieux. Alors, les commentaires désormais. Je remonte un petit peu. Il est trop volontaire, ouais, je suis d'accord avec ça, il est coutumier du fait, c'est vrai que ça fait plusieurs épreuves qu'on voit à la télé où il fait beaucoup d'efforts et il va falloir qu'il apprenne. Il a beaucoup de talent, j'ai l'impression, beaucoup de force, mais il court pas forcément pardon, très juste. Court mal, ouais, ben, je pense qu'on est un peu tous d'accord sur le sujet. Clairement, Eli a été catastrophique autour de la Loire, ouais. Et là, pareil, IF, la nouvelle Movistar, ouais. L'auto s'est sabordée elle-même, je suis assez d'accord avec ça aussi. La Tudor, pas mal, mais ils ont un bel effectif, la Tudor. Mais c'est pareil, on parlait de Coratec tout à l'heure, et ça pose un petit peu question, je trouve, parce qu'on a pris Coratec au Tour d'Italie, qui est une nouvelle équipe en plus, enfin une nouvelle équipe en Pro Team en tout cas, donc qui part pas forcément avec une longueur d'avance à ce niveau-là sur Q36.5 et Tudor, mais Q36.5 et Tudor ont quand même un effectif largement supérieur. En plus, il y a des sprinteurs intéressants comme Moschetti chez Q36.5, c'est un Italien, donc on aurait pu penser que la préférence nationale aurait un petit peu joué. Il y a des mecs comme Reichenbach chez Tudor, il y a Kamp, il y a Eriksson, enfin bref, c'est des gars qui sont quand même assez intéressants. Et les effectifs sont largement meilleurs, je trouve, que Coratec. Je réfléchis à sortir Dely pour mon équipe rivale pour un Godu. Ouais, ça peut être intéressant de sortir Arnaud Dely. Mais après, Arnaud Dely, le problème. Matt, c'est qu'il peut scorer énormément en fin de saison. Il avait fait une grosse pause, mais s'il va faire les Paris-Bruxelles, les Grands Prix de Fourmies, etc., etc., toutes les courses d'un jour en deuxième partie d'année. En plus, cette année, les mondiaux sont assez tôt, donc de toute façon, on ne le verra pas aux mondiaux, je pense que c'est un peu trop dur.
Voire il sera en équipier, mais ça peut scorer très très fort en fin de saison. Là où David Godu, il va un peu tout axer sur le Tour de France. Donc Godu, je ne sais pas si c'est une bonne idée de le prendre là. Sachant qu'en plus, il a fait déjà pas mal de points au Pays Basque et à Paris-Nice. Je ne sais pas quel est son programme de course, mais je sais pas s'il faut prendre Godu tout de suite. Il va peut-être faire une coupure aussi, Godu. Ou alors, il faut le prendre là pour les Ardennaises, mais ça reste assez aléatoire. D'ailleurs, on fera une émission Rivals avec James Oddvar après Liège-Bastogne-Liège. On s'est dit qu'on ferait ça. Comment Hirschi est passé de gagnant? Ouais, ça c'est clair, c'est une bonne question, Flavian, parce que Hirschi, il marchait sur l'eau en 2020. Et là, c'est quand même beaucoup plus dur. Enfin, il est loin du niveau qui était le sien en 2020, quand il avait gagné notamment la Flèche Wallonne. Apparemment, une belle erreur tactique des lotos. Ouais, apparemment, c'est ce qu'on m'a dit. Moi, j'ai pas tout vu non plus. J'ai juste vu la fin, un peu comme toi, Stantri. Mais visiblement, il y a des petits soucis. Aux 4 jours de Dunkerque, ça me paraît un petit peu tôt pour une reprise, hein, aux 4 jours de Dunkerque. Mais on verra, parce que c'est des programmes un peu provisoires, hein, qui sont faits par les équipes. Et là, j'imagine qu'on va faire un petit point, hein, chez Lotto Destiny et qu'on va voir avec Arnaud Dely à quel moment il faut reprendre la compétition. Kwiatkowski décevant, mais il prend de l'âge un peu, Kato, j'ai l'impression que c'est plus dur. Hein. C'est une équipe italienne, la Coratec. Je crois que c'est Davide Cassani qui est à la tête de cette formation. Tomber sur Godon en 1 contre 1, c'était pas un cadeau. Il va vite au sprint, Dorian Godon, effectivement. Hein. C'est un mec rapide, qui est costaud, qui a du punch. Hein. Donc c'était pas un cadeau, effectivement, pour Banili. Tudor score pas mal. Ouais, aux régions Pays de la Loire, Tours notamment, ils étaient pas mal, hein, la Tudor. Godu, il fallait le prendre avant le tour du Pays Basque, ouais. Je suis d'accord. Vous jouez au jeu de Cycling Fantasy? Non, je ne sais pas du tout ce que c'est ce jeu de. C'est pas le truc des cartes, la Cy Limit ou je sais pas quoi. Tu en diras, Samuel, je vais continuer à faire défiler les commentaires. Pas d'erreur pour moi de l'auto, mais moi j'ai vraiment pas tout vu. J'ai pris à 30 bornes de l'arrivée ou 20 bornes de l'arrivée, donc je ne serais pas trop catégorique par rapport aux erreurs ou pas de la Lotto Soudal. La Lotto Destiny, pardon. Mais Krohn était un peu cramé, j'ai l'impression. C'est Parsani, oui, pardon, Seb, t'as raison, c'est pas Cassani, c'est Parsani. Effectivement, Cassani, c'est le sectionneur national de l'équipe d'Italie. Ah oui, non, mais j'ai vu ce truc-là, je vois ton commentaire, hein, Samuel. Ça y limite, ouais, c'est ça. Non, je joue pas, je trouve que c'est une vieille arnaque, ce truc. Enfin, à mon avis, vous faites pas trop avoir à acheter des cartes, parce que je pense que ça vaut rien du tout. Il y a que des petites équipes à part Israël, en plus. Mais très sincèrement, si j'avais un conseil, c'est ne mettez pas de l'argent sur ces trucs-là, les NFT. Je pense que déjà, c'est un peu compliqué et un peu dangereux en termes d'investissement. On a vu qu'il y avait pas mal de gens qui avaient été ruinés par rapport à ça. Mais clairement, ça n'a pas de valeur. Hein. Je pense que dans 6 mois, dans un an max, ça a disparu. Parce que de toute façon, en plus, c'est très compliqué. Oui, je te rejoins un peu, Jérôme, sur ça. Mais après, chacun son point de vue, hein, bien entendu. En plus, le problème, c'est que dans le vélo, et j'expliquais à un des fondateurs, justement, ce que je discutais avec lui, je sais plus quand, il y a 2, 3 mois, je crois. Et je lui disais, le gros problème pour moi dans le vélo, c'est que pour ces trucs-là de NFT, donc c'est les cartes virtuelles, vous savez, les cartes qui sont censées être uniques pour ceux qui ne savent pas, et qui se vendent, genre, hein, tu fais un autographe, tu le signes, c'est un NFT, quoi. C'est une espèce d'empreinte numérique qui est censée être unique, mais que voilà, tu l'as toi-même, mais si quelqu'un veut enregistrer l'image, il l'a aussi. Il n'y a que toi qui as l'original, mais à la limite, on s'en fout un petit peu. Et ça, on fait ça pour les œuvres d'art, pas mal aussi, je crois, en ce moment, c'est vachement à la mode. Enfin bref, vous regarderez le principe sur Internet. Mais pour en revenir à ce truc-là, je trouve que c'est un peu problématique, parce que comme ce que je disais à l'un des fondateurs ou l'un des collaborateurs de cette application-là ou de ce site-là, c'est que quand on connaît un petit peu le monde du vélo et les droits, quand vous voyez Cycling Manager, vous voyez que déjà, ils n'arrivent pas à avoir toutes les licences, c'est archi compliqué, parce qu'en fait, il y a autant de licences qu'il y a d'équipes. C'est pas comme dans le foot, comme pour ceux qui jouent à FIFA. FIFA, vous achetez la licence du championnat de France, de la Ligue 1, vous avez tous les joueurs et tous les noms de la Ligue 1. Vous achetez la Liga, c'est pareil, vous achetez les droits de la FIFA, c'est la même chose. Mais là, dans le vélo, en fait, chaque équipe détient les droits de ses propres coureurs, les droits à l'image. Donc du coup, c'est très très compliqué, parce qu'il faut aller négocier au cas par cas. Derrière, en plus, il y a des intérêts financiers, des mecs qui ont un poids des fois plus gros que les équipes. Je pense à des mecs qui sont bankable, comme Van Der Poel, comme Van Aert, comme Evenepoel, etc., etc. Donc c'est déjà très très dur à ce niveau-là de pouvoir récupérer des droits suffisants pour rendre le catalogue intéressant. Parce que là, clairement, je voyais que les mecs, ils se la pétaient à moitié en ayant des cartes de coureurs de l'équipe de Guam, tu vois. Mais genre, ils font pas de course, en fait, donc ça sert à quoi? Bah, rien.
Donc c'est quand même assez compliqué, je trouve. C'est pour ça que je trouve que ça a un intérêt vachement limité, parce qu'en fait, ils essayent de vendre un truc qui n'existe pas. Hein. Enfin, un intérêt qui n'existe pas, puisque ces coureurs des équipes continentales, et je ne veux pas leur faire offense, hein, ils font beaucoup d'efforts, etc. Mais ils font pas de course UCI, ou alors ils vont en faire trois dans l'année. Donc c'est quoi l'intérêt d'avoir une carte d'un mec qui court pas, en fait? Bah, aucun, pour moi, clairement. Donc ça va être très compliqué. En plus, je suis allé quand même me renseigner, parce que vous me connaissez, j'aime bien me renseigner. Je posais la question à des coureurs d'une équipe qui est concernée, parce que j'ai regardé les équipes, et comme je connais quelques coureurs, je posais la question. Je lui ai dit, mais t'as vu ce truc-là, ça est limite, ou je sais pas quoi, ça Cycling Fantasy, mais ça se passe comment? Tu touches de la thune, t'as un droit à l'image, ou quoi? Il me dit, non, nous on touche que dalle, quoi. Donc en fait, c'est ça qui est un peu mensonger aussi, je trouve, c'est que quand tu les écoutes leur discours à ces mecs-là, là, de cette application, ils disent, ouais, c'est bien, c'est vertueux, ça fait gagner de l'argent aux coureurs, sauf que, bah non, en fait, quand tu fouilles, tu vois un truc, tu t'aperçois que les coureurs ils touchent que dalle. Ça doit être les équipes qui doivent toucher un petit pourcentage, mais que les coureurs, eux, ne touchent rien. Donc sous couvert de faire plaisir aux coureurs, d'augmenter leurs revenus, de bons sentiments, machin, en mode oui, on les aide parce que de toute façon, ils ne gagnent pas grand-chose en Conti, ça va compléter leurs revenus, ben non, que dalle en fait. Ils touchent rien. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est une arnaque dans le sens où, bah, ça joue sur les bons sentiments, on fait croire qu'il y a un marché, mais en fait, il y a quoi? Je pense qu'il y a 15 mecs qui s'y intéressent et basta. Donc, c'est compliqué. Je comprends qu'avec Sorare, on veuille s'intéresser à ce genre de choses et qu'on pense qu'il y a de l'argent à faire. Mais dans le vélo, de toute façon, déjà, il n'y a pas d'argent pour ces trucs-là. Il n'y a pas une économie comme en NFL, comme en foot. Enfin, quand vous voyez que PCM a pas assez d'argent pour développer un jeu qui est quand même assez intéressant et correct, qu'on explique dans les interviews que voilà, on ne peut pas faire de dev parce qu'il n'y a pas assez de gens qui achètent le jeu et que c'est compliqué, et qu'on n'a toujours pas les droits partout. Bah, imaginez un truc comme ça de fantasy qui veut faire un truc en mode Serare, on va gagner plein de thunes. Bah non, quoi, en fait, c'est compliqué. Et heureusement qu'il y a des databases un peu complémentaires pour PCM, sinon il n'y aurait rien du tout. Donc voilà, moi la seule chose que je peux vous dire, et ça n'engage que moi, c'est de surtout pas vous engager justement ou vous embrigader dans ce genre à acheter des cartes, parce que clairement, ça vaut que la valeur que vous leur accordez, et si dans le truc, ils se pètent la gueule dans un an, bah vous aurez votre carte, et en fait, ça ne vaudra rien, donc il y a de grandes chances que ça s'arrête, parce que les mecs, je pense qu'ils se sont dit, on va gagner de la thune, mais dans un an, quand ils vont s'apercevoir qu'il n'y a pas d'argent à gagner, qu'est-ce qu'ils vont faire, quoi? Pourtant, en les écoutant, ils sont persuadés que ça va marcher. Moi, hein. Ouais, je veux bien, je peux me tromper, mais ça me paraît un petit peu compliqué. Bref, désolé, j'ai dévié, mais je pense que c'est intéressant de répondre aux questions aussi, parce que ça concerne l'économie du vélo. Et voilà, vous ne faites pas avoir. Enfin, en gros, ce serait mon conseil, qui n'engage que moi, bien entendu. Et je peux me tromper, ça c'est important aussi. Bref, notre tour de Sicile. On va retourner au sportif. Le tour de Sicile, la deuxième étape hier, victoire de Bonifacio, devant Albanese, justement. 5 points seulement pour le Cometa. Vous le voyez, c'est très très peu. Je parlais des points UCI tout à l'heure. C'est pas énorme pour cette équipe-là. Donc, c'est pas ça qui va permettre de combler le retard. Il faudra gérer au général si Albanese se fait larguer, ça va être compliqué parce que derrière, il n'y a pas de coureur qui est bien classé. Donc il ne faudrait pas qu'il perde du temps. S'il y a une autre étape difficile, je n'ai pas trop fait gaffe aux étapes. Aujourd'hui, c'est accessible, mais l'étape 4, je ne sais pas trop. Ouais, elle est quand même plus dure. Donc je ne suis pas sûr qu'Albanese y passe ça. Donc si jamais on fait juste des places sur les étapes, ça va être assez compliqué. Qu'est-ce que j'avais vu aussi? J'avais noté 2-3 trucs. Ah, je vous deux fois le site, ça ne sert pas à grand-chose. Ouais, l'Amstel Gold Race, il y a une rumeur un peu folle et ça encourage encore une fois à vérifier les infos parce qu'il y en a qui se sont lancés dedans en mode Evenepoel, Remco, il sera au départ de l'Amstel. Je critique pas les gens qui ont relayé hein, parce que quand vous êtes un particulier, vous pouvez pas, enfin c'est pas votre boulot d'aller vérifier si les sources sont bonnes ou pas. Vous êtes là pour prendre justement des infos et c'est pas du tout les particuliers que je vise. C'est plus les médias qui ont relayé ce truc-là sans aller demander à l'équipe en fait et sans vérifier que c'était sincère ou pas. Et comme d'habitude, on retrouve Cyclisme Actu dans ceux qui ont balancé l'info, mais ça surprendra pas grand monde. Bref, Remco Evenepoel ne sera pas au départ de l'Amstel Gold Race, bien entendu. Il est au Teide, il est à Tenerife, je crois, si je dis pas de bêtises, et il n'est pas du tout prévu. Julien Alaphilippe est bien absent, toujours blessé. Donc là, ça devient compliqué, la saison de Julien Alaphilippe. On dit, pareil, je prends des pincettes parce qu'il n'y a pas de communication officielle de la Quick-Step, que la participation à Liège et à la Flèche ne sont pas assurées, que les participations pardon, à la Flèche et à Liège ne sont pas assurées. Donc j'espère que ça va le faire pour l'ancien champion du monde, parce que ça commence à être vraiment difficile cette saison pour lui, et on verra ce que ça donne, parce que la Quick-Step, donc, elle sera sans ses deux leaders.
Pour l'Amstel en tout cas, et on comptera sur Bagioli, sur Cavagna et peut-être sur Mauro Schmidt. Une autre info que j'avais vue également aussi et que je voulais partager pour finir l'émission, et après on va aller sur les questions, hein, bien entendu. Tac tac, je remonte parce que sinon je loupe vos différentes remarques. Le Tour de Romandie, je vais aller sur le site de First Cycling parce que c'est plus clair leur truc quand même. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il y a quelques retours. Alors après, à prendre avec des pincettes, parce que c'est des listes d'engagés, et c'est des listes qui sont données en amont par les équipes. Donc il faut voir si ça sera véridique ou pas. Mais en tout cas, d'après cette liste, on a le retour de Carlos Rodriguez. On aurait Ayuso. Alors j'ai posé la question à UAE, j'attends une réponse, parce que forcément je suis un peu sceptique, parce qu'Ayuso, on ne l'a toujours pas vu de l'année. Donc je vous redirai en fonction de la réponse que UAE m'apporte, s'ils me répondent, bien entendu. On aura aussi les débuts d'Yann Christen, le jeune prodige suisse, ça c'est intéressant. Et si on se fie un peu sur sa start list, eh ben on aura Adam Yates. Mais encore une fois, on prend des pincettes. Hein. Je le répète, je suis désolé. On aurait Simon Yates, Adam Yates, que Romain Bardet. On retrouverait aussi des garçons comme Van Hetvelt. On retrouverait Rui Costa, Michael Woods. On aurait Tobias Foss, donc pour la Jumbo. Ineos Bernal, s'il est là, avec les frères Reiter et Rodriguez, et plus Lucas Plap, donc grosse équipe. Thibaut Pinot pour la Groupama FDJ. Aking et Padoun pour IF. La Bahreïn, on retrouverait Gino Madère et Caruso. Bob Jungels et Higita pour la Bora. Chez Cofidis, Ioannis Aguirre. Astana, Lutsenko. Alpecin, pas grand monde comme d'hab dès que ça monte. Et Clément Berthet et Geoffrey Bouchard pour AG2R Citroën, donc pas une start list de fou. On n'a pas Pogacar, on n'a pas Evenepoel, on n'a pas Vingegaard, on n'a pas Roglic, mais on aura une belle lutte de second couteau et certainement un vainqueur un petit peu surprise, enfin surprise entre guillemets, parce que depuis le début de l'année, on voit que c'est quand même toujours les mêmes qui trustent les gros succès. Hein. Tirreno, c'était. Qui a gagné Tirreno, c'était Roglic. Paris-Nice, c'était. Comment dirais-je, hein, Pogacar. Ensuite, on a eu le Pays Basque et la Catalogne. Je ne sais même plus qui gagne, d'ailleurs je confonds des fois les courses. Le Pays Basque, c'est Vingegaard qui gagne, et en Catalogne, bah c'est Roglic qui a gagné également. Donc toujours des gros cadors. Et finalement, c'est la première grosse épreuve du World Tour où on n'a pas un des quatre fantastiques, entre guillemets, qui sera au départ de l'épreuve. Donc on aura un vainqueur un peu nouveau, si je peux le dire ainsi. Ils arrivent tôt en Sicile, Stéréo, ouais, je crois. Du coup, on va mettre le truc après, enfin l'émission après. On va remettre le direct, pardon, après l'émission. Sur PCM, tu as toujours des équipes avec des faux noms. Ouais, mais c'est ça qui est fou, parce qu'ils sont vachement installés, ils sont là depuis 20 ans, PCM, et tu dis que malgré ça, eux-mêmes, ils n'arrivent pas à avoir tout le monde. Et c'est rare, et je pense que ça marche aussi un peu, parce que déjà, c'est le foot, et que les gens peuvent être tarés avec le foot à dépenser vraiment beaucoup d'argent. Et en plus, ils ont une base de données complète, donc c'est forcément plus intéressant. Là. Si vous regardez les grosses courses et que vous n'avez personne, à part Israël, bon, c'est un petit peu compliqué. Et je pense qu'ils ont démarché tout le monde et qu'ils n'ont pas eu de réponse. Ou alors avec des conditions financières qui ne sont pas satisfaisantes. Parce que vous connaissez Patrick Lefebvre, si vous allez le voir en lui disant ouais, on a un truc sympa, machin, on veut le développer, lui il veut vous dire oui, hein, mais il veut vous dire combien vous lui devez. Et je pense que quand vous regardez le chiffre, ça ne doit pas forcément vous faire plaisir. Pour Holo, on va croiser les doigts. Normalement, l'avantage des Holo, je trouve, Jérôme, c'est que, comme tu le dis, ils ont Fortunato, mais ils ont aussi Albanese. Donc contrairement à Koratek, il suffit que ces deux-là performent un petit peu. Et on peut vite aller marquer 3, 4, 500 points dans la saison et finalement se mettre hors de danger au mois d'octobre. C'est ça l'avantage des holos, je trouve. C'est que certes, là, à l'instant T, ils sont en danger, mais ils ont quand même deux belles cartes qui leur permettent d'espérer, entre guillemets, et même sur le Giro, hein, sur les étapes en échappée, on peut dire que ça peut scorer, quoi. C'est prévu qu'ils ne fassent que Liège. Oui, mais ça a toujours été ça, en fait. Mais il y en a qui ont dû relayer des trucs sans trop chercher à comprendre, en fait, quoi. Quickstep aux abois, il cherche une solution. Ouais, je pense qu'il cherche à se débarrasser de Julien Alaphilippe. Mais après, Julien Alaphilippe, il peut être champion du monde, hein, de toute façon, en plus, clairement. S'il n'est pas le général du tour, il ne visera pas, je pense. C'est chez moi le Tour de Romandie, ben, c'est cool. J'espère que tu pourras aller voir la course, Samuel. La liste est sans doute pas. Moi, je suis d'accord avec toi, Seb. Je pense qu'il y a des inexactitudes. Hein. Hâte de voir Léni. Ben, Léni, ça va peut-être être compliqué, parce que le Tour de Romandie. C'est pas l'épreuve la plus montagneuse de la saison, il y a un chrono en plus. Mais c'est vrai que Stéro, je te rejoins, je lis ton commentaire en même temps. On avait l'habitude d'un passage obligé, le Romandie, pour les prétendants à la victoire au Tour de France. Et depuis quelques saisons, en effet, ça a un petit peu changé. J'ai l'impression que c'est plus rendez-vous incontournable, on retrouvait les Froome, etc. Au départ
De la course, et puis Pogacar, il n'y sera pas. Hein. Je pense que Pogacar, il fait l'Amstel, la Flèche et Liège. Donc je pense que lui aussi, il va couper après Liège et qu'il va se reposer un petit peu. Ouais, il y a, bah, ce que vous dites, ouais, c'est vrai que clairement, il y avait des très gros coureurs en Romandie. Hein. C'était un peu le passage obligé. En général, on disait que le vainqueur du Romandie était souvent le vainqueur derrière du Tour de France. Padoune, je sais pas. Padoune, c'est très compliqué, très dur à lire ce coureur-là. Très, très dur à lire. Et comme dit Greg, ouais, il peut faire 5 ou 10 comme il peut faire DNF ou 127e. Hein. Si vous misez ou si vous pariez, c'est clair, c'est pas le mec hein, sur qui vous pouvez miser. Marc Padoune, bien entendu. Je pense qu'on a fait le tour, les gars. Comme vous le savez, on ne traîne pas pour traîner, comme d'habitude. On a déjà fait une quarantaine de minutes d'émission, donc c'est plutôt pas mal. Demain, je crois que Cyprien sera là. Donc on sera deux, c'est plutôt cool. Demain, on évoquera les différentes courses, que demain, il y a des épreuves intéressantes, notamment la classique Grand Besançon-Doubs. On finira avec le Tour de Sicile, et puis il y a ce fameux Tour du Loir-et-Cher aussi. Puis peut-être qu'on vous présentera un petit peu les épreuves du week-end. Donc on verra tout ça tranquillement. Demain, et les résultats du Tour du Loir-et-Cher, ouais, hier, attends que je revienne en arrière, hier c'est un Néerlandais qui a gagné, donc Tim Marsman, qui s'impose devant Alex Krast et Callum MacLeod. Voilà pour les résultats du... On voit Florian Dauphin, tiens d'ailleurs, un ancien stagiaire BNB qui est au sein de ce top 10. Donc voilà pour toute l'émission, bonne journée les gars, et à demain, ciao!